qui vont le reprendre. Je dis bonjour à la presse, bonjour à tout le pays, tout haïtien qui est en Haïti, pour l'autre bord de l'eau. Et c'est avec un pile plaisir que je dis que moi-même personnellement, j'ai débloqué une situation qui était difficile pour le pays pendant 3 mois. Aujourd'hui, nous recevons pour un vol international, nous, qui c'est American Airlines. Mais, pas oublier que la compagnie locale, et ceci, la compagnie locale Sunrise, là, était déjà à faire vol entre Miami et Port-au-Prince. Ça veut dire que eux-mêmes ont commencé bien longtemps avant. Nous recevons aujourd'hui, même je ne recevoir Sunrise, parce que tout simplement, c'est le premier vol en compagnie internationale qui vient après 3 mois que pas d'opération dans l'aéroport. Je vous dis à ça avec un sentiment de fierté que nous-mêmes haïtiens et moi-même en particulier avec toute sa foi, nous contents que l'aéroport ça allait là, l'aéroport là pour recevoir l'avion. Et nous bien contents que après 3 mois d'inactivité, nous gagnons un avion qui a retourné sur le plan international dans l'aéroport de Saint-Louverture. Est-ce que toutes conditions réunies pour voler au revoir? Malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire une visite à l'aéroport. Pour qui ça? Parce que mon aéroport sont une zone hautement sécuritaire. Et c'est bien dommage que nous ne sommes pas capables de nous visiter. Mais si nous avons fait un petit tour d'horizon, nous avons vu que tout le monde là, nous remplit toutes conditions journée et jour pour nous faire, pour recevoir n'importe qui monde et n'importe qui côté le sorti. C'est-à-dire que tout vol international est capable de reprendre. Si l'Amérique est là, reprendre aujourd'hui, semaine prochaine, nous avons un reste vol. Ça veut dire que nous avons deux autres vols américains qui viennent la semaine prochaine, à savoir JetBlue avec Spirit qui va entrer d'ici la semaine prochaine. Mais l'activité reprend normalement, tout le personnel ici a normalement, et que tout le monde là pour que nous assurions que tout vol là vient normalement en Haïti. Monsieur général, il y a des questions pour nous démolir ensemble et Tikaï qui vous êtes en danger au niveau de sécurité pour l'aéroport là. Vous avez commencé, est-ce que vous faites avec l'opération ça? Opération fait commencer, opération a continué. Son opération qui est liée à la sécurité même à l'aéroport. Bon, pas besoin de rappeler ce qui s'est passé le 29 février, mais la première phase que nous faisons avec Mairie Tabar, ministère des Finances et ministère des Travaux Publics, qui ont premier 180 cailles qui sont déjà démoli et l'écouter, l'État haïtien, à peu près 300 millions d'euros. Et en deuxième phase, qui va commencer là, nous avons une réunion, nous avons supposé une réunion aujourd'hui à 11h, côté que nous allons planifier avec la police, la République et la mairie Tabar pour nous voir si nous sommes capables de commencer la deuxième phase là. Donc la deuxième phase a commencé tout de suite et son programme qui a continué jusqu'à ce que nous assurions que nous mettons l'aéroport là dans une zone très privilégiée de sécurité, ça veut dire que l'aéroport attaque capable de nous très proche. Après plus que deux mois, c'est une grande première pour American Airlines. Combien de vols tu as supposé faire aujourd'hui? Non, c'est un seul vol que nous avons aujourd'hui. Pas oublier que voler en avion, c'est d'abord sécurité. Si nous voyons que l'avion n'est pas venu, c'est parce que tu as senti que pas en sécurité. Je ne vous dis, puisque nous-mêmes nous avons des garanties de sécurité, nous-mêmes nous sommes venus. Donc, il a fini et il a continué de venir chaque jour. Maintenant, pas oublier que l'Américain là, depuis quelques temps, depuis après Covid-19, l'Américain là, il a un seul vol sur Miami. Donc, vol ça, c'est lui-même qui a commencé aujourd'hui. Et c'est vol ça qui a continué et pendant les jours qui viennent, en attendant que l'autre vol américain reprenne normalement. Et nous allons l'inviter à tout lancer appel là, par Air Caraïbes qui fait la France à Haïti. Et Air Transat qui fait Canada à Haïti. Bon, une fois que nous pensons que nous avons une bonne activité, tout le monde a normalement. Garantie de sécurité, c'est que ça. Garantie de sécurité, c'est que lorsque l'avion a venu là, pas supposé gagner un lien qui est capable et comme si gagner une attaque qui est capable de faire son avion ou quoi que ce soit. Garantie de sécurité, ça veut dire que là, nous prenons disposition avec la PNH et l'armée d'Haïti. Pour que en dans l'aéroport il est très sécur et la PNH lui-même il prend toute disposition pour que à l'extérieur de l'aéroport il n'y ait pas gagner des attaques qui sont capables de faire son avion ou des bagages. Donc c'est ça garantie de sécurité. En dans l'aéroport là vraiment c'est une garantie de sécurité. Et
extrêmes qui nous prennent depuis quelques temps de telle sorte que à ce que le vol est capable de reprendre normalement. Pas oublier que si la sécurité pas capable de vol, c'est une garantie que nous pouvons nous-mêmes en tant que haïtiens, l'État haïtien, pour que nous assurions que normalement le vol est reprendre normalement. Est-ce que nous pouvons garantir que votre capable de dysfonctionner? Écoutez, nous-mêmes nous sommes à l'aéroport. Nous c'est des gens qui ont géré. Nous sommes fiers. Pour le fait que nous avons un directeur avec tout le staff qui travaille à l'HPP ici. Monsieur, comment vous avez dit non? Pour le directeur malade, il n'est pas qu'à venir dans l'édifice, nous toucher, tout le bagage nous régler, et bagage n'est pas utilisé. Nous avons trois dames qui sont mal. Madame Yoni Pierre, ça a conduit Félix Benakhan, ça a gardé tout le staff, ça a l'air de travailler, de travailler. Le FNE n'a pas les tout pour directeur et sectoriel, tout bien travaillé. Vous êtes employé à qui sentiment ou à avoir un fonctionnaire? Eh bien, juste moi, ouais, à pouvoir retourner avec un sentiment de changement pour Haïti. Parce qu'il faut que je dise ça fièrement. Nous sentons fiers nous-mêmes en tant qu'employés. Nous sentons bien avec le directeur que nous avons là. Parce que avec le staff, il y a tout. Les gens regardent le directeur, il est là, il est malade. Malgré le bagage, tout à fait nous régler. Regardez, nous sommes extraordinaires, le bagage. Nous avons madame Yonida, ainsi que les autres de l'autre côté, tels que Asen, Contabassène. Et les autres toujours, nous gagnons et directeur et DEO, ADO, nous gagnons ADO, nous gagnons DEO, mais c'est ça aussi différent quand nous voyons. Alors, nous apprécions le staff et journaliste, alors, quatrième pouvoir, nous apprécions ça bien et ça fait nous plaisir pour que nous ensemble avec nous aujourd'hui, juste pour nous exprimer sentiments, pour nous dire ça nous sentit et ça nous aimait et ça fait nous bien. L'aime Dieu ça. Et directeur qui ici a, et son papa pour tout ouvrier d'être, pour tout le monde qui travaille, ni pour directeur sectoriel, ni pour ouvrier, ni pour l'autre instance, même pour la police qui est ensemble avec nous. C'est papa nous, c'est famille nous, c'est toute bagaille pour nous. Moi content, son plaisir pour nous être capable de nous tendre moins, et pour nous étendre, pour nous étendre nous tout. Ça fait plaisir. Bonne journée. N'a pas lié encore. Et les gens qui viennent, comment vous voyez, est-ce qu'ils ont envie de se faire ça, est-ce qu'ils ont envie de voyager, comment vous voyez les gens qui arrivent? Mon cher, c'est un bagage extraordinaire. Le pays a été sous cœur de gens pendant un bout de temps. Les gens qui viennent, ils ont tellement senti qu'ils descendent dans le pays, bien que nous vivons dans un pays qui n'a pas de sécurité, parce que l'insécurité envahit nous. Mais les gens sont tellement contents de venir. Regardez, comme si les gens mettent les pieds, ils descendent en avion, ils descendent les pieds à terre. Il faut dire que c'est dans l'autre monde qu'ils ont vu. Les gens sont contents, les gens apprécient nous, les gens regardent, ils ont senti. Il y a des gens qui même crié, ils descendent en avion, tellement contents. Alors, non pas moi, c'est notre famille, c'est Émilien, prénom Audelin. Merci. Non seulement ça, je toujours dit aéroport fermé, aéroport pas de fermé, aéroport seulement pas de vol, mais il y a un peu d'employés, des gens qui sont au niveau, ils ont toujours des standards. L'appli par l'appli, balle par balle, nous toujours venir. Même oui, si pas aéroport a été fermé réellement, mais pas pour nous. Même tout le monde, parce que même tout si n'est pas tout le monde en général. C'est comme si l'aéroport était fermé, il n'est pas fermé pour nous. Parce que nous touchons, Madame Yoline. Yo, Madame Yolin là, directeur général là, regardez, et de là, à de là, tout le directeur sectoriel, tout là, c'est comme si je me disais, ah, on ne va pas jamais faire un bon. Nous avons une ambiance extraordinaire. Vous avez qui travaille dans l'aéroport?
DG du Cabel François, avec toute équipe qui a travaillé. Nos coordinations, spécialement Madame Pierre, Madame Yonie Pierre. Femme ça, son poteau mis dans l'équipe à n'importe femme. Faut que nous féliciter, faut que nous voyons le monter. Parce que c'est lui-même qui met ensemble qui réalise tout ça. Là. Toutes belles mesdames, ça y est, là. Ça c'est l'équipe, la coordination. Même en accueil, pour le coin, si nous sommes tellement belles, on regarde, elles sont merveilles. Tout n'est là qu'à nous. Porte la débloquée pour nous. Nous mettons tout n'est sans qu'elle saute. Vite dans le pays, nous, pays blanc, pas pays nous. Nous passons dans le pays blanc. Mais pas oublier, Haïti, c'est pays nous lié. C'est nous pour supporter. C'est nous pour aimer pays nous. Ce n'est pas le monde qui va dire nous pas aimer pays nous. Pour nous. Pour tout le monde qui est dans la diaspora, qui veut vivre dans la caille, porte la ouvrir pour aujourd'hui. La porte la ouvrir bien grand pour nous recevoir en chair et en os. Et nous-mêmes qui devons nous souffrir à cause des diaspora, nous pas parler, il va faire nous bien. Je ne veux dire son victoire pour nous, son plaisir pour nous réaliser rêve nous là, je dis à qui fait. L'équipe ça a débarqué en chair et en os avec toute autorité, avec chef de la police, commissaire, nous venons accueillir nous là en chair et en os. Ça veut dire pour des moutons, bon amour, bon tête ensemble. C'est pour ça nous là, je dis à là. Et nous disons même pour la presse là, pour nous dire merci en général. Parce que dans toutes circonstances, nous sommes toujours là avec nous. Vous comprenez, nous c'est porte-parole peuple là. Vous félicitez nous et disons qu'il y a la malade. Et pas changer parce que c'est mon Dieu dans tête nous. Toujours être mon nous. Parce que c'est nous-mêmes qui porte-parole peuple là. C'est nous pour faire message là passé. Vous dites non, aïe bobo pour nous. Aïe bobo, aïe bobo. Non, c'est vrai Marie-Féline. Notre artiste là, c'est femme créole, maman Haïti. Monsieur la presse, saluez-nous. Et son plaisir pour nous. Hey!
là. Et n'a pas compris. We'll be right back.
nous capables de dire que nous avons toutes dispositions en dedans là, que nous avons garanti que et nous-mêmes en tant qu'haïtiens, nous connaissons aujourd'hui le pays, nous, dans des difficultés, des bagages qui sont capables de passer dans l'aéroport, qui n'ont rien à voir avec l'aéroport, et qui sont capables d'influencer. Bon. Ça veut dire que le combat doit passer juste à 2-3 km de l'aéroport et lui influencer l'aéroport. Et ça parce que tout simplement, nous-mêmes ne sommes pas capables de garantir la sécurité extérieure à l'aéroport. Nous sommes capables de garantir la sécurité interne, la sécurité extérieure, c'est la police nationale. Et comme nous allons garantir que nous-mêmes n'avons pas ça en main, donc nous prolongeons, nous disons que effectivement nous travaillons avec la police nationale d'Haïti pour que nous allons garantir sous vol comme fait. Merci beaucoup, merci. Merci. Mon forme. Thank you.
Allez, attention. Thank you.
Thank you.